سبحان الله سبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mes chers frères et sœurs, qui d'entre nous n'a jamais été provoqué? Qui d'entre nous ici ne s'est jamais retrouvé dans une situation difficile à tel point que la personne qui est en face de lui le pousse à bout? Qui d'entre nous ne s'est jamais retrouvé dans cette situation difficile où la personne qui est en face de lui, eh bien, ne cesse de le provoquer? Qui d'entre nous n'a pas connu ce genre de situation? Mais qui d'entre nous a réussi à répondre au mal par le bien? Ou alors, parce qu'il y a de meilleurs? Et qui d'entre nous est tombé dans le panneau et a répondu au mal par le mal? Telle est la question qu'on doit toutes et tous se poser aujourd'hui à Hibbati Fillah. Comment réagir face aux provocations, face au mal, face aux préjudices qu'on peut ici vivre à travers certaines oppressions, à travers différentes situations? Eh bien ici, Ayyuhal Akhyar, la réponse elle est claire. Elle est dans le Saint-Coran et elle est dans les récits prophétiques authentiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé quel est le meilleur des comportements à avoir alors qu'on nous provoque, alors qu'on veut nous causer du tort, alors qu'on veut nous faire du mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim et rappelle aussi que ce n'est pas donné à tout le monde de réagir ainsi. Et tout le monde le sait que le fait de se laisser aller, de laisser quelque part éclater sa colère, c'est quelque chose d'assez facile. Mais le fait de retenir sa colère, de se retenir, de prendre sur soi, c'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith authentique, celui qui est fort, le véritable fort, homme fort, la femme forte, n'est pas celui qui terrasse les gens quand il est en colère, mais c'est celui qui arrive à garder son contrôle, à prendre sur lui quand il est en colère. C'est celui-là l'homme fort. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous sommes tous faibles à la base. Mais ici, en méditant sur la récompense et sur ce qu'a dit Allah Jalla wa'ala et sur ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wasalam sur ces gens-là, sur ces gens sages, intelligents, sur ces gens doués d'intelligence, eh bien cela nous motive à prendre sur soi, à patienter alors qu'on veut nous causer du tort ou des torts. Allah Jalla wa'ala dit dans le Coran al-Karim wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a. Il rappelle, la bonne et la mauvaise action, et bien sûr, ne sont pas identiques. La bonne action n'est pas comme la mauvaise action. Idfa' billati hiya ahsan. Traduction du sens, repousse le mal parce qu'il y a de meilleur. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas en évitant de faire du mal simplement que tu dois repousser le mal. Ici, à travers cette recommandation, non, mais c'est en repoussant le mal parce qu'il y a de meilleur. Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawa. Et tu verras celui qui se retrouve dans une situation où il y avait une animosité entre lui et son frère, eh bien tu verras que son frère deviendra tel un ami chaleureux. Allah Jalla wa'ala te rappelle que si toi tu réponds au mal parce qu'il y a de meilleur, eh bien celui qui est en face de toi avec qui tu avais une animosité, eh bien deviendra tel un ami chaleureux. Wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'a. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa. Eh bien, il te dit, il deviendra tel un ami chaleureux, waliyun hamim. Wama yulaqaha illa alladhina sabaru. Wama yulaqaha illa dhu hadhin azim. Allah il dit par contre ça, c'est pas donné à tout le monde. Sauf ceux ou seulement ceux qui sont dotés de beaucoup, qui sont armés de patience. Et ceux qui sont dotés d'une grâce infinie pourront réagir ainsi. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا Sauf cela, les patients et ceux qui sont dotés d'une grâce infinie. Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle que ce n'est pas donné à tout le monde. Et certes c'est dur, ولكن vous le savez tout et tous, أحبتي في الله, plus les efforts sont durs, et plus la récompense a un goût, eh bien ici sucré, ou mielleux si tu veux. Et c'est pour ça que ici la personne se doit de méditer quant à aux finalités. Et après, je me défoule sur un tel qui m'a fait du mal et je lui réponds au mal par le mal. Je réponds au mal par le mal. Qu'est-ce que j'aurais gagné concrètement? Contrairement à l'autre personne qui, elle, eh bien, va être la cause de la transformation de cet homme-là qui est rempli de haine et d'animosité ou de cette femme-là qui est remplie de haine et d'animosité. Il va être la cause qu'elle va se transformer à tel point qu'elle va devenir waliyun hamim, un ami chaleureux. Et c'est comme ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, était.
dans le hadith ici authentique rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, le prophète Ali Afdalus Salat wa Azka At-Taslim réagissait ainsi, particulièrement dans ce texte-là, il nous l'apprend, il nous l'enseigne. Quand un homme a voulu tuer le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, et il faisait partie des gens qui voulaient tuer le prophète alayhi salatu wa salam, il se retrouvait dans une situation quelque part de force. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam a pris une expédition, il est parti s'allonger, se reposer quelques instants, tahta shajara, en dessous d'un arbre. Ici, à l'ombre de cet arbre, voilà que le prophète alayhi salatu wa salam allongé, était allongé et il avait accroché son épée, alayhi salatu wa salam. La personne s'est approchée, l'ennemi s'est approché. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam faisait sa sieste et les compagnons ici se reposaient au loin. Il s'est approché, a pris délicatement et doucement l'épée, et voilà que le prophète se réveille et il pointe l'épée sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et là il dit, ô Muhammad, qui te sauvera maintenant? Qui va te sauver? L'épée pointée sur le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et voilà que le prophète alayhi salatu wa salam répond avec toute sérénité et pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui met l'effet dans les causes. Allah, Dieu, mon Seigneur. L'épée est tombée. Le prophète a ressaisi l'épée. Et il a pointé vers celui qui voulait le tuer. Il lui a dit maintenant, qui va te sauver? Allez, maintenant c'est à mon tour. Qui va te sauver? Il dit, ô messager de Dieu, ô Mohammed, n'étais pas croyant. Sois meilleur preneur. Et le prophète alayhi salatu wa salam, dans une version, il lui a dit, tu es croyant, tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique? Il dit non. Moi, non, je ne veux pas dire la ilaha illallah. Non. Le prophète alayhi salatu wa salam, il lui dit, tu n'es pas croyant? Il dit, mais attends, par contre, une chose, je m'engage à ne pas te combattre et ne pas participer avec ceux qui sont injustes contre le prophète alayhi salatu wa salam, qui voulaient tuer le messager d'Allah, qui voulaient faire du tort au prophète alayhi salatu wa salam. Je m'engage à ne pas participer avec eux, à ne pas te combattre. Le prophète alayhi salatu wa salam, tout simplement, il lui dit, la preuve, le prophète, il voulait verser le sang. Le prophète alayhi salatu wa salam, son but, c'était de tuer le abadan, jamais. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Pars en paix. Commence pas. La personne est partie, alors que la personne voulait tuer. Imagine-toi, quelqu'un veut tuer, tu peux te venger. Hein? Qui arrivera à réagir avec cette bonté? Ce n'est pas simplement ne pas répondre au mal par le mal, mais le prophète Ali salatu wa salam, en plus de cela, il l'a libéré, il l'a laissé partir en paix. Et cet homme-là est parti vers son peuple, il a qawmir, et il a dit, jitukum min indi khayrin nas. Je viens à vous de chez le meilleur des gens. Alayhi afdalus salatu wa taslim. Son ennemi, il a fait qu'il devienne une personne qui le vante et qui loue ses caractères et qui dit c'est une personne qui fait partie des meilleurs des gens. Non, le meilleur des gens. Jitukum min indi khayrin nas. Hakada kana alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ceux qui réagissent comme ça, auront le paradis bi idnillah, la demeure finale al-jannah. Il dit wa yadra'una bi sayyi'ati al-hasana. أو بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. الله جل وعلا dit, il repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Ceux-là auront la demeure finale, al-jannah, le paradis. Et c'est pour ça qu'on se doit de méditer à cela. Plus je repousserai le mal par ce qu'il y a de meilleur, et plus je me rapprocherai du paradis bi-idni rabbil ardi was-sama. Et certes, a dit vrai ce croyant, ce musulman, quand il a apporté ces paroles, qui valent plus que de l'or, il dit, ici, il parle de quoi? Du mal, de la haine. Et il rappelle que cela doit être combattu par l'amour, les armes de l'amour et du bien. Le mal, la haine, doit être combattu par les armes de l'amour et du bien. Et il dit, l'amour, à ce moment-là, détruira à jamais le mal. Quant au fait de vouloir détruire le mal, la haine, avec le mal, avec la haine, cela ne fera qu'enterrer le mal, tout simplement. Et le mal est une semence ici forte. Et il dit, ça permettra au mal de se développer après que tu l'aies enterré, de façon discrète. Puis, le mal viendra à germer de façon encore plus vigoureuse, donc tu ne l'auras pas tué. C'est pour ça qu'il est important, si tu veux éradiquer le mal et la haine, c'est de combattre le mal et la haine par le bien et l'amour. Amma, si tu crois enterrer et tuer le mal et vaincre le mal par la haine, tu ne feras qu'enterrer le mal et la haine.
que le mal et la haine sera sous la terre, enterré soit. Mais c'est une semence très forte. Elle germera, elle germera, et le mal germera de façon encore plus vigoureuse et fera encore plus de dégâts à Abdallah. Parmi les moyens, ahibati fillah, qui nous permettent d'atteindre ce degré, ce haut degré, eh bien, c'est de méditer les récits prophétiques. Et parmi ces récits prophétiques, le hadith, où le prophète alayhi afdalus salati wa as-salam a dit: Al mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbir 'ala adha'ihim khayrun min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbir 'ala adha'ihim.